De vers de terre, toujours dans Bestiolerie potagère de Louis Dubost aux éditions Les Carnets du dessert de lune. De vers de terre, il n'y en a pas un seul, constate le grand-père qui vient de retourner à la bêche 2 mètres carrés de terre dans la plaine Bosseronne. Et alors? Rétorque son petit-fils, jeune agriculteur dynamique et militant du syndicat des exploitants. Eh ben, plains-toi pas de la baisse des rendements avec les saloperies que tu balances là-dessus, ronchonne le vieux. La caméra de France 2 cadre un plan fixe implacable. Deux visions du monde se dressent l'une face à l'autre, la plus ringarde n'étant pas celle que d'emblée on pourrait présupposer. Les vers de terre sont les premiers laboureurs, c'est pas moi qui le dis, mais Darwin. Tu devrais le savoir, toi qui as fait des études. Le jeune homme laisse tomber Mossad, encore une connerie d'écolo, avant de s'engouffrer dans sa BMW X6M pour se rendre à la manif à Paris et tirer à la porte du ministère de l'Agriculture la sonnette qui fait prim, prim, prim. Après avoir zappé et éteint le téléviseur, le jardinier s'en va vérifier si le tas de compost n'aurait pas besoin d'être retourné.